sort de très loin, il se plaint. Paraît-il qu'il y a une fille, une de nos filles, qui l'a dépouillé hier soir. Donc, j'ai eu pas sa parole. Donc, il se plaint. Good morning, my nigga. Tu dis quoi? Good morning, good morning. Can you speak French? French? My English is not very for good. My English is not good. Yes. Yeah. I want to speak in French. Yeah. Thank Bonjour you. Les thank amis. Bonjour. Ouais. Hier, je suis allé pour ma musique quelque part. Oui. Naturellement, puisque moi je viens des États-Unis, j'ai fait Canada, États-Unis. Je suis un homme d'affaires. Mm-hmm. Ouais. Je suis arrivé quelque part dans une boîte de nuit, j'ai rencontré trois filles. Parmi les trois, il y a une qui était vraiment très belle, j'ai sollicité celle-là pour plus de travail. Bah, quand on est arrivé, quand je suis allé me doucher, je suis revenu, les trois filles étaient dans mon appartement. On a fait ce qui était normal, mais j'ai été surpris que je me suis trop endormi. Et quand je me réveille le matin, je trouve qu'elles ont porté ma valise avec 33 millions de dollars. Il a dit quoi? Donc, il me l'a dit, $33 million. Et ce monsieur, c'est ce monsieur qui m'a mis en contact avec ses filles. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si mon argent ne sort pas, ça va sentir le poulet gâté. Okay. Lui, je vais l'arracher les couilles. Monsieur, on se calme. Et parce que si il vous a ramené ici, c'est pour qu'on trouve un consensus. Négos. Ce sont mes patrons ici. Négos. What do you tell me for nigga? What billion man? Calme. Calm down. Calm down. Vous dites l'on a négos. Quand un négos, tu sais que négos a dit tiné, hein? Comme il parlait l'anglais là tout à l'heure. Négociation. Oui, non. Non. En fait, monsieur, nous avons créé cette entreprise, notre petite entreprise, pour aider les jeunes. La population, quand les gens sont stressés, pour ne pas se suicider, vous attrapez une fille, vous passez des bons moments avec eux, on sécurise l'État, on sécurise le gouvernement. Bon, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Bon, monsieur, on va faire clair. Parce que si vous avez perdu autant d'argent, une mallette d'argent, nous ne voulons pas de vous. Nous avons des traçabilités. On connaît toutes les filles avec lesquelles on travaille. La fille que je soupçonne le plus, elle avait un dragon sur le ventre. Un dragon? Oui, tatouage dragon sur le ventre. Elle était le nombre de trois. Mais c'est celle-là, peut-être, tu aurais. Appelle les filles. Prime en argent. D'accord. Appelle nos filles. Yeah, man. Dion, monsieur Carvana. Civisme. Violence. Rigueur. Boss, elle dort encore, apparemment. Réveille-le. Elle dort quand si on a un danger. Un problème d'État. Un problème dans l'entreprise. Un maillon est en train de vouloir éliminer tout le reste des maillons. Mais mon frère, toi-même, tu es courageux. Comment tu as fait pour te retrouver avec autant d'argent? Je suis un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Je devais rencontrer quelqu'un le lendemain. D'accord. Et tu as fait comment pour avoir aussi trois filles sur toi? Ouais, trois filles. Oui, mais moi j'ai l'habitude de passer des nuits avec même 10 filles. Boss, elles sont là. Ouais, qu'est-ce que c'est? Santé. Bah, ça sent pour les gâtés en Afrique là. Non? Non, nous on n'a pas de. Allez, comme ça. Quand on vous parle, je vous dis, vous allez perdre le travail. Vous ne connaissez, vous ne comprenez pas les risques que nous avons dans ce métier parce qu'on veut vous rendre responsable de vos vœux. Alliez-vous. C'est un domaine très délicat. C'est-à-dire, on vous enlève de la route, on vous donne à manger et à boire. Non, Vous voulez devenir riche seul. Et je dis, tu m'en as dit, moi, et comme moi. Je vous découvre. Ça va. Alliez-vous. Merci. C'est là où je deviens alors. Ça va. Mon frère, sortez, place-toi là. Place-toi bien là. Je t'ai dit ça. Place-toi là. Si c'est la prison, on vous envoie à Kodak. On vous envoie à Motengi. Mon frère, voilà. Voilà nos filles.
voilà les filles qui travaillent avec nous. Tu si remarques, tu remarques celle qui t'a fait ça. Qui t'a fait ça. On résout le problème. Baba, dis, résout le problème. Baba, je vous ai dit, je vous ai dit. Mina Nuggets. Fuck you, man. You call me Nuggets? I am American boy. Mon frère. Mon frère. I am American boy. Are you okay? Stupid. T'es pas parlé, tu as perdu. Enseigne toi d'abord. Fuck you. I am American boy. Yes. Call me Colonel Fontaine, my nigger. Pourquoi vous avez l'esprit là? Pourquoi vous avez l'esprit là? Cet Américain dit qu'il a passé la nuit avec vous. Et vous avez volé une mallette de dollars. C'est en 3 millions de dollars. C'est en 3 millions de dollars. Qui a fait un Miguel Nuggets? Non, call me Nuggets. Call me Colonel Fontaine, hein? Colonel? Dis ou bien tu dis young boy. Young boy. Young boy. Si, guys, you don't steal your money. This colonel told that un colonel fucking three girls. Elle comprend pas vraiment l'anglais. Tu comprends ce qu'on a dit? Regardez vous-même si elles sont là. Elles sont là. C'est celle-ci. Prenez le temps d'observer. Celle avec laquelle vous avez passé la nuit. Je vous ai dit, il y avait une parmi qui avait, j'ai remarqué, elle avait le tatouage de dragon. Quel le dragon? Quel le dragon sur quel le dragon? Quel le dragon? C'est par là qu'il faut commencer. Toi parce là. Que j'ai, vous savez, mes frères, j'avais bu un peu d'alcool. Je ne peux pas facilement les remarquer. Mais si on trouve déjà le tatouage du dragon, facilement j'aurai ma fille. Parce qu'on va sévir, ça va frapper fort. D'autres vont quitter la tanière. C'est le clos. Laissez-le vous regarder. Ne l'intimidez pas. Ne l'intimidez pas. Pourquoi vous vous regardez comme ça avec vos yeux? Tournez-vous voir. Tourne-toi. Ah. Si. Rapide. Il faut qu'on parte vous reposer le soir ici. Il y a le travail. Qui t'a fait ça? Donne-nous les visages. C'est qui? On finit avec la race. Vous êtes sûr que la fille qui m'a dépouillé ne dort pas encore? Elle ne dort pas toujours? Il n'y a plus personne. Voici nos filles. Voici nos clients, ce qui est là. Voici nos filles. Ces filles-ci. On va encore faire les recrutements dans 2 ans. Celles-ci, elles ont encore le jus. Oui. On ne les nourrit pas avec les pommes pilées. Honnêtement, je vous ai dit, j'avais bu un peu, un verre de plus. Tu viens et c'est maintenant avec nous que tu viens confondre avec l'alcool. Donc tu bois, tu viens nous gronder. Fucking niggas. Hey, are you stupid? I want to blow you. Soft. Go for this. Calm down. Alors, qu'elles enlèvent les habits là. Je veux voir les ventres. Il y avait quoi sur le ventre? Le dragon. Il y a une qui a le dragon sur le ventre. Il y a une personne qui a mis le dragon là-bas. Montrez-moi vos ventres. Soulevez-moi les habits là. Soulevez les habits là. Qui a fait le dragon dans son ventre? Vous faites le dragon sans nous demander. Voilà qui monte jusqu'à moi. Montre. Soulève jusqu'au fait. Soulève bien, je ne vois pas bien. Je ne vois pas. Toi, soulève. Moi, je n'ai pas de tatouage. Toi, là, tu te rases. C'est ce que je voulais dire. Toi, là, tu t'épiles, tu te rases. On a acheté un carton de rasoir. C'est pour les fonds. Moi, j'aime. Mais si, ce n'est pas dans le contrat. Les clients qui aiment la carte. Pardon, moi, il y a seulement ici. Toi-même, tu vois, toutes les filles, là, voient les ventres nus. J'ai mis ça. Maintenant, quand on t'a dit plus de tatouages, plus de tatouages, tu es au niveau de la flamme, après ça sera le serpent, après le serpent, ça sera le caïman. Tu as quoi au pied là? C'est pas sur l'orteil. Non, c'est toi qui vends le bang à un socle fils. Ah, c'est un client. On a dit qu'on ne veut pas ça. Ah, il n'aime pas ça, c'est un client. Jay-Z. My name is Colonel Fontal, it's not Jay-Z, voilà. Man. Toi-même, tu as vu, tu as fait le tour. Tu as regardé les ventres de toutes ces filles. Nous, on a regardé. On a vérifié des plus en plus que d'autres ne se sont pas rasés. Donc, il n'y a aucune là qui a le tatouage là. Peut-être tu allais chercher une autre. Attends, c'est. Il a dit qu'elle a le dragon. Le dragon. C'est dragon. On t'avait dit qu'on ne veut plus voir dragon dans le territoire. Non? Elle travaille encore dans notre territoire Non. Ok. Est-ce que c'était ici? Dragon déjà à Zurinakuma. Vous dites? Dragon déjà à Zurinakuma.
Mais il m'a fait comprendre que c'était ses filles. Je m'en bats les couilles là. Ouais. Ça veut dire que tu es maintenant. Elle est plus dans la tanière. Non, ne dis pas ça. Il a vu dame les photos. Il a choisi la photo. Donc tu fais le photo de dragon. Tu fais la photo de dragon. Non, ok. Mais c'est toi qui gères cette page. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Non. Regarde. Non. La nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. On n'avait pas de rendez-vous avec Dragon. Oui. Nous ne travaillons plus avec cette fille. Allez la chercher dans la colonie. Dans des vous jours. Aviez fait la recette ailleurs. Et nous, si vous venez nous menacer, il faut choisir trois filles. Vous entrez vite là, tu nous payes. Tu t'as dit, laisse-moi! On est en train d'aller faire nos choses. Toi, tu es là, tu nous perds le temps. Tu viens nous faire crier, tu viens nous dire nigri, nigri, nigri. S'il ne veut pas nous laisser, il doit nous arracher la tête, non? Trois filles. Fort out. Gorhout. Voilà une fille qui devient riche dans 3 millions de dollars. Vous allez me trouver. Mais dans 3 millions de dollars, rassurez-vous. Vous aurez une convocation demain matin. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas parce que je suis américain que vous allez me perdre. Elle a de la face à vache. Beyoncé, ne me salis pas. Beyoncé t'appelle. Nous, on travaille avec les hautes instructions. Laissez le parti de demain, vous nous cherchez une nouvelle maison à louer. Qui peut revenir nous la laisser. Voilà une fille qui est devenue riche, 33 millions de dollars. Vous dites, si vous ne foutez rien, vous n'amenez rien, vous n'amenez rien. Depuis une semaine, même pas ces 4 000 dans les caisses. Vous là-bas. Regarde les pieds. Vous n'avez regarde pas honte. Regarde les fesses, ça s'en vous n'avez pas honte. Niga. Ça va à quoi? Niga. Les Américains sont bizarres. Tais-toi. Tais-toi. Ça, c'est la Marie Rouana. Et là, voilà. C'est sûr qu'il avait même la jambe. Et c'est que je finis avec, c'est pour vous dire. Je vous le dis. Parce qu'aujourd'hui, là, vous nous cassez déjà trop. Je vais barrer les noms. Vous me faites perdre d'autres dents. À cause de vous. Je m'agresse. D'après oui. Calmos. Je vous dis ça, niggas, niggas, niggas. Si je n'ai plus de recettes, on va changer, on va prendre d'autres ici. On vous a déjà dit pas de vol. Quand on dit pas de vol, pas les vols de 5 000. Voler 33 millions de dollars, on change la vie. Toi, tu as versé combien cette semaine? Oh, taisez-vous. Taisez-vous. Tu as versé combien cette semaine? Cette semaine, tu as versé combien? Tu as versé combien? 350 000 et tu as versé combien par semaine? Par semaine, tu as appelé à nous verser 500 000. Note ça. Tu t'habilles comme si tu partais à l'église de réveil. Comment les gens vont te. Tu es même la dernière ici là. La dernière. Dans les églises de réveil. Hein? Comment les gens vont te chercher? Je vous ai dit plusieurs fois pour resserrer les choses. On me dit cela quand plus de. Mais nous, bon, non. Tu as donné combien cette semaine? 100 000. Tu vas rentrer dans une église. C'est normal ça. Tu vas aller travailler pour le pasteur. 100 000. Comment? Toi, tu t'habilles comme si tu partais jouer ou c'est au tennis ou c'est au golf, tu mets quoi sur toi? Moi, récemment, il y a un client qui a appelé, qui a dit qu'il s'était fait forcer. Je t'ai dit que l'amour, dans notre activité, c'est la douceur. C'est la douceur. Les gens ont des problèmes, ils viennent parce que. C'est pas tout le monde qui aime la douleur. Parce que je lui ai demandé de me mettre le pied au mur et de cogner fort. Il vient jouer au nonchalant. Il fait quoi là-bas? Non. On ne soutient pas. Apportez la douceur, justement. Je ne m'en vais pas à la position crap, ils refusent. Arrête la boxe. Ce n'est pas le combat sur le lit. Où tels hommes t'es? Les hommes politiques ont des problèmes de politique pour gérer l'État. Toi, et pour venir apaiser les choses, ils sont. Toi, ici. Ça va. Elle a versé combien? Combien vous compte? Elle est là à. Tu as versé combien? 400. Je suis à plus près d'un million. Bon. Oui, près d'un million. Un million peu. Oui. C'est le cliché. Tu coupes l'argent. Quel un million? Tu coupes l'argent. Près d'un million. Tu as versé combien? Cru de la nuit. Elle passe 600 000 par semaine. Oh. 600 000. Vraiment, on a le retour. Toi, tu travailles bien. Oui, on va t'acheter le terrain. Afrique, les filles qui mettent les lunettes sont les meilleures. Intellectuelles. Quand tu auras déjà 50 ans, on va t'acheter le terrain. 100 mecs, on te fait ta petite maison de retraite. Toi. Mais que je démarre. Je te vois sur la moto. On n'a pas gagné l'air. Qu'est-ce que tu fais avec la motoman? Mais Carona, il passe les pousseurs, les brouetteurs. Vous pouvez trouver vos motoman. Restez avec les gars des bureaux. Elle prend les 500.
quand vous-même, vous me mettez à côté d'un roulier, les roulier, comme ça, vous voulez que je travaille encore. Ah, petite voiture, oui. petite voiture. Facile à garder. Elle m'influence. Je peux plus travailler comme avant. Il faut effacer son nom. Efface son nom, tu laisses le prénom. Efface son vrai nom, tu laisses le prénom. Avant, je faisais la recette. Vous envoyez la qualité, si là vous envoyez la qualité. Madame, vous voulez que madame je travaille avant. Niggas, gars. Niggas, patron. T'as regardé niggas devant nous. Tu vois, niggas. Moi, je sais d'abord que niggas, ça veut dire quoi. Tu es déjà fini. Je vais te donner ce que je vais te donner comme information, c'est que ton salaire sera divisé en trois. Le gardien m'a fini. Maintenant, chaque jour, il me demande chaque jour. Tu fais ça. C'est la monnaie des gars qui font le pouce. Quand on te donne les mises à pied, tu peux ouvrir ça dans ton quartier. D'ailleurs, tu m'as jamais donné à vos clients. Je peux plus te donner les mises à pied. Tu vas travailler. C'est comme les deux filles. Toi. Il te dit que ton charisme. Aussi, tu n'es pas ministre de la famille. Ou bien ministre de l'éducation de rebelles. Même les prêtres, les évêques qui te voient. Toi, tu as toujours les habillements comme si. Elle partait au bal. Comme une soeur qu'on a renvoyée du couvent, comme si elle part au ministère. Qui va te voir avec ça? Pardon, tu la fermes. Vous savez bien que moi, je suis une vétérane. Va jouer chez des vétérans. Je remarque que mon pourcentage n'est plus respecté dans cette maison. Donc, je ne me fatigue même pas. Boucle ta. Vous ne respectez pas le contrat. Donc, je fais comment? Mon pourcentage, il est là. Le poids que tu prends là, qui te nourrit? Mets-toi ici. Regarde. C'est toi qui dois nous apporter les ministres ici, mais tu vaux quoi? Rien. Zuzu. Elle a versé combien? Moi, tu as versé combien? C'est là-bas, j'ai vu. Tu as versé combien? J'ai versé 300 000, moi-même j'ai pris 200 000. Parce que. Moi, ma couille, ça c'est assis. Oui. Tu vas verser. Tu vas nous baisser au sol. C'était bon, on va te créer à la police. Pourquoi va t'habiller, tu laisses ta carte d'identité, on part avec toi au commissariat. Vite, on part avec toi. Tu vas servir d'exemple. Pourquoi? Nous, on est où? Vous allez aussi me donner ma part de. On part avec toi au commissariat. Elle-même, nous. Alors, le commissaire, moi-même, je vais devoir l'appeler. Ou Miaru, il faut qu'il y ait un commissariat. C'est même d'abord ton meilleur client. Le commissaire, c'est mon meilleur client. Donc, on y va. Vous allez donner tout.